Galatasaray PSG. You are sure or you are not sure? Okay, okay. If I lose, Octogone. No. Octogone, I kill you. No, I kill you. I kill you. After, I kill you. Octogone. Mario Gamos. Yep. Un, dos, tres. Un paciente, Maria. Mario Gamos. Interdiction de klaxonner, pas les couilles. Ce putain de contact turc, je vais donner rendez-vous sur la vie de ma mère. S'il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans. Avec ces Sikeli match, Sikeli boob, sale charlatan, la vie de ma mère, je l'attends là. Ce putain de contact. La vie de ma mère, je vais l'appeler. Déjà, il n'est pas sur le lieu de rendez-vous. Tu vas voir. On prend un con Sikeli match, on va voir. Allô? Ouais, je suis dans la forêt, mal, je vais mal. You are a liar. Liar. Oh. Octogone, t'es où? Viens, come on, come on. Come on. Liar, liar. Oh, Octogone, je t'attends, I wait you. I wait. Sur la vie de ma mère, patate direct, même pas je parle avec lui. Comment ça, il me prend vraiment... Ah, il est là. Ben viens. Allez, viens, viens, Octogone. Octogone. Sur la vie. Why say me, c'est quel match? Why? Come on. Liar. 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 Come on. Come on, liar. Les amis, je me balade sur Winamax, paisiblement. D'un coup, je tombe sur quoi? La vie de ma mère, les amis, Lille. La cote de Lille, elle est à 4,30. Vous avez vraiment cru que moi, Eni Mohamed, fils du vent et de la pluie, j'allais laisser passer une cote à 4,30 €? C'est mal me connaître. Regardez, les amis, la cote de Lille-Chelsea, Lille, côté à 4,30 €. Tu vas au bureau tabac. Au bureau tarba, la cote, elle est à 4. La vie de ma mère, les amis. Ouais, moumou. Tu vas sur Winamax parce qu'il y a les meilleures cotes. Ben ouais, logique. Je vais pas aller sur Winamax pour les meilleures crottes. Il y en a pas. Logique. C'est plus Winamax, c'est Winamatch. Match, les amis. Ce soir, c'est match. Ce soir, la daronne est à l'abri. Elle a plus de soucis à se faire. La vie de ma mère, j'ai misé sur Lille pour envoyer la daronne sur une île. Faites comme moi. 150 € sur Lille, c'est donné. Et ce qui est bien avec Winamax, les amis, c'est pas comme cette putain de buraliste, cette buratriste. Quand tu gagnes de l'argent, elle est triste, elle veut pas te payer. Ouais, on passe à l'heure. Elle fait esprit d'ouvrir le tiroir. J'ai pas de monnaie, alors qu'il y a 1 000 000 €. Paye maintenant. Winamax, ça paye cash. La vie de ma mère, y a pas de patachi, patata, je sais pas quoi. La daronne à Lille Maurice, la buraliste à Lille avec Maurice. Ce soir, c'est historique. Mettez vos daronnes à l'abri, les amis. Je vous ai dit quoi hier les journalistes? Voilà, une victoire du PSG et c'est reparti les gros titres. Le PSG a un pied en finale. Le PSG en route vers l'histoire. Oula, regardez. C'est plus le journal L'Équipe, c'est le journal Les Pipes. Comme il suce le PSG, beau et fort. C'est comme si tu mets grand et musclé. Oula, c'est grave mon pote là. Je vous nique. Johnson, proposition, nouvelle proposition faite à Bruxelles. Et Bruxelles accueille froidement la solution britannique. Le Parlement européen évoque une réaction pas positive. Le président de la Commission européenne, lui, parle de progrès, mais il dit aussi qu'il... On s'est rencontrés au Cap d'Agde, j'ai pas fait de vague, mon cœur est un tsunami qui emporte tout sur son passage. Je t'ai fait du repassage, tu es venu à l'abordage, tu m'as baisé, peu importe mon âge. Les meufs sur Insta, ça veut dire quoi vos phrases de merde, bande de Victor Hugo? Vous êtes des... Voilà, des Victoria secrètes, Hugo, vous êtes la vie de ma mère. Le proverbe, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je t'essuie. Ça marche que pour les beaux gosses. Toi, quand t'es moche, avec la meuf, tu la fuis. Elle te suit pas, elle t'essuie de sa vie, la vie de ma mère. Voilà, fuis-moi, je t'essuie. Quand t'es moche, quand tu fais genre, t'arrêtes de parler avec une meuf pour la faire réagir. Pendant 30 ans, elle t'écrit pas, elle s'en bat les couilles, voilà.
substance potentiellement cancérigène qui pouvait se trouver dans l'air. Pour l'heure, impossible d'infirmer ou de confirmer cette information. Il faut attendre les analyses qui sont tout. Ben alors Maurice, couillon, va, hein? C'est que t'es pas vilain en fait, hein? Tu caches bien ton petit jeu, Maurice. C'est qu'il y a du pectoral là-dedans. Alors Maurice, hein? Du con, va. Alors comme ça on a ses petits secrets, hein? Alors comme ça on a du biceps. Alors Maurice. Les mecs qui vont à la salle de sport, ils y vont à 10h du matin, ils regardent des meufs comme ça. Ils croient que la meuf elle se dit, ouais lui, non la meuf elle se dit c'est un chômeur. Il est 10h, il est à la salle, c'est un chômeur. La vie. Les salles de sport à 20€ par mois. Le premier jour où tu y vas, ils te disent, on va te mettre un coach sportif. C'est un coq sportif. Voilà, il est anorexique. Il est moins baraque que toi. Ou t'as vu un coach qui est moins musclé que toi. C'est comme quand tu vas au coiffeur à 9€ et que le coiffeur, il a une sale coupe. Wesh. Et il te dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Non, t'occupe de rien, s'il te plaît. T'occupe. Voilà, les gros chômeurs à la salle. Il est 10h, 11h du matin. Il soulève des poids, il te regarde dans les yeux, du genre, qu'est-ce que tu veux te battre? Non, va trouver un travail au lieu de casser les couilles, là. Tu regardes tout le monde travailler. Voilà, les gros, quand t'arrives à la salle, t'as toujours un mec musclé, il est là, tout compressé, il te regarde dans les yeux, en mode, tu veux te battre, celui-là, hein? Non, on veut pas te battre, voilà, on veut faire du sport. Laisse-nous tranquille, bordel, sale chômeur. Quand... Le petit lutin. Et donne le ballon à Messi. Donnez le ballon à Messi, bande d'incapables. Oula. Et la grande de Lionel Diego FIFA 2020 et des Nazar champagne salade de chèvre chaud au vin. Ouais, les amis, j'ai commandé FIFA 2020 sur Wish, j'ai reçu PES. La vie de ma mère, c'est... Les gens qui ont PES, c'est des putains de ringards, c'est comme ceux qui ont la Xbox. Tout ça pour se rendre intéressant. Ouais, j'ai pas la Play, j'ai la Xbox. Ouais, les manettes, c'est des cartables. Oh là, les Xbox, les manettes, c'est des planètes, elles sont énormes. Oh là, c'est des Twingo, les manettes d'Xbox. La vie de ma mère, c'est des petites voitures sans permis. La vie, oh, c'est chou. Oh la Xbox, la vie de ma mère, oh fais tomber une Xbox sur ton pied. Oh là, tu perds la jambe, unijambiste, tu finis. La vie de ma mère, c'est des Renault Scénic. Oh là. Ceux qui ont la Xbox et ceux qui ont PES, tout ça pour vous rendre originaux. C'est les mêmes gens qui font du badminton. Tu fais du hand, du volley. Ah, je fais du bad. Ouais, je fais du bad. On a bad le mercredi à 18h. La vie de ma mère et toutes les meufs qui font du bad, du badminton, elles s'appellent Justine. Oh là, elles ont aucun problème dans leur vie. Elles sont là, mini short. Tout petit mini short, elles sont là, elles tirent des balles, la balle elle monte au ciel, t'as le temps de te marier, entre temps de divorcer, que la balle elle retombe, le sport le moins physique du monde, oula, badminton, oula, tu fais deux entraînements, t'es champion de France, le plus gros salaire, même le champion du monde de l'équipe de France, oula, il touche 500€ par mois, il touche la bourse échelon 4, la vie de ma mère, je fais du bad, ouais, je fais du bad, ta grand-mère, oula. Moi, j'achète toujours FIFA et PES. Toujours les deux jeux en même temps. Comme ça, quand on gratte FIFA, voilà, je prête PES. Tiens. Ouais, je te le rends demain. Me le rends pas. Gars, c'est cadeau. Moi, les petites raquettes de bad. Voilà, les petites raquettes. On dirait des... Voilà, on dirait qu'ils font de la bouffe avec. Voilà, tu vas dans un snack, ils ont pareil pour soulever les steaks, là. Voilà. Une spatule. Voilà. Les meufs qui font du bad, elles ont tous les mêmes prénoms. Léa, Manon, Justine. Voilà. Prénom de babintonneuse. La vie de ma... Ouais, tu fais quoi mercredi? Tu es avec nous au cinéma? Non, j'ai bad. J'ai bad avec Manon et Léa. Et il y a Titoine qui vient nous récupérer. On a compétition à Montélimar, oui. Ouais. Ouais, bon après, il faut parler des menteurs qui disent « Ouais, il y a FIFA qui est sorti. Du coup, j'oublie ma meuf. » T'as pas de meuf, en fait. Avant d'oublier ta meuf, n'oublie pas que t'as pas de meuf. Voilà, mon... Ouais. C'est comme les mecs qui disent « Ouais, ce soir, c'est Ligue des Champions. Ma meuf, je lui réponds pas. » Ouais, mais t'as pas de meuf, mec. Y a pas... C'est... Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas de PES, frère. Je vais jouer avec Messi. Messi, dans PES, c'est monsieur. Voilà, il s'appelle monsieur. Ouais, je peux pas faire ça, moi. Voilà, je peux pas... Allez, Lille, un but. Un but de Lille. Et la daronne part sur une île. La vie de ma mère, les frères. Je vous nique. Après, moche, je suis pas moche, je suis juste différent, c'est tout. Moi, ce qui me fout la haine, c'est quand tu parles avec une meuf, tu lui dis, tu me trouves comment physiquement?
Elle te dit, ouais, moi, le physique, c'est pas important. Ça, ça veut dire que t'es moche, direct, à coups de chaussettes. Grosse folle. Tiens, tiens. Tiens, grosse folle. Tiens. C'est comme le proverbe, femme qui rit, à moitié dans son lit, et tu lui mets de la vache qui rit. Wesh. C'est comme... Ouais, on me dit, femme qui rit, à moitié dans son lit. D'accord? À moitié? Et comment on fait pour l'autre moitié? D'accord? Faire rire, je sais, et le reste. L'autre moitié, c'est on fait comment, bordel? Personne peut me répondre, comment? Ça, c'est les meufs. Ouais, tu m'as déchiré le cœur. Après toi, je veux plus de mec. Une semaine après, elle se fait déchirer le cul. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Tiens, tiens, grosse folle, tiens. Quand tu parles avec une meuf sur Instagram, tu lui dis, envoie une photo, elle t'envoie ça. Voilà. Tu me trouves comment? T'es ta grand-mère, espèce de tête d'œil, va. Envoie ton corps entier, là. La vie de ma mère, menteuse, va. Quand... Voilà, femme qui rit à moitié dans son lit. Vache qui rit, ouais. Voilà. Vache qui rit. Y a que les vaches qui rient que tu fi... qui finissent dans ton lit. Que des petites vachettes. Y a jamais des bonnes meufs. La vie... Après, t'as les gens jaloux des couples. C'est surtout les meufs. Quand une meuf célibataire, elle voit une autre meuf en couple, elle est là. Pff, regarde-moi là, cette pute. Toujours les putes qui se casent en premier. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle a un mec. Ouais. Quand t'es en couple avec une meuf et qu'il y a un autre mec qui lui parle, elle te dit quoi? Ouais, lui, il m'écoute au moins. Ben, il a que ça à foutre en même temps. Moi, je dois te nourrir, te blanchir, te loger, t'héberger. Te baiser, la vie de ma mère. Lui, il a juste à t'envoyer 2 SMS par jour. Coucou bébé, je te comprends. Je comprends tout. Voilà, pendant qu'il t'écrit, il est tout nu derrière son téléphone. La vie de ma mère. Quand t'es malheureux dans ta vie, personne te parle. Quand t'es heureux, il y a tous tes ex qui débarquent. Voilà, on dirait ils ont un détecteur de bonheur. C'est plus des ex, c'est des T-Rex. Voilà, ils sont là, des dinosaures, ils sont là. Ils t'envoient un message 3 ans après. Coucou, je pense à toi. Et tu réponds pas, il s'énerve. Pourquoi tu réponds pas? T'es passé à autre chose, c'est ça? Tu m'as pris pour une conne, c'est ça? Les meufs, elles te quittent. Elles te disent, ouais, je pourrais jamais refaire ma vie. Tu m'as fait trop de mal. 2 semaines après, elle se fait refaire les seins pour se faire baiser. La vie de ma mère, c'est un... Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ça, ça marche que pour les beaux. Nous, les moches, la meuf, elle nous suit. Oh là, on la fume direct, frère. Y a pas dans la fuit, on la fume. Moi, je vous dis, les ex, ils ont un détecteur de bonheur. Quand ils voient que t'es heureux, voilà, le radar, il s'enclenche. Bip. Détecteur de bonheur. Mon ex est heureux. Faut que je lui casse les couilles. Bip, bip, bip. Vache qui rit à moitié dans son lit. Dans nos lits, il y a que des vaches qui rient. Et pourquoi on dit vache qui rit à moitié dans son lit? Parce que elle prend la moitié de la place, cette vachette. La vie de ma mère, c'est... Dans le mot argent, il y a le mot Jean. La vie de ma mère. Si tu écoutes les gens, tu feras jamais d'argent. C'est simple. Il te le dit dans le mot, c'est écrit. Les meufs sur Instagram, elles sont toutes petites, des petits poneys. Oh là que la meuf, elle est là, on dirait une basket fila, la meuf. Ouais, je veux un mec qui fait 1m90. Je veux un mec qui fait du basket. Ta grand-mère, t'es aussi grande qu'une paire de baskets. Tu veux un mec qui fait du basket. La vie de ma mère, je comprends pas les petites meufs. Toutes petites, des bulles bizarres, elles sont là. Pff, des pamplemousses. Les meufs toutes petites de taille, des petits Apéry cubes. Oh là, des petites GameCube. Et les meufs petites, elles s'appellent tous Manon ou Léa. Manon et Léa, c'est des prénoms de nains. Oula, elles sont toutes petites, gros mollets. Oula, short humel. Elles font toutes du handball. Oula. Les meufs petites, là, les petits apéricubes, les Manon et les Léa, qui veulent un mec grande de taille. Je les imagine accrochés aux boobs du mec, suspendus dans le vide. La vie de ma mère. Eh oh, je suis là. Eh.